Donc, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la valise qui vont en vacances. Il y en a qui partent en vacances. Donc, sans nous, bien sûr, parce qu'ils avaient envie de partir eux, tous les 12. Et là, nous ne savons pas pourquoi. Mais de toute façon, ce n'est pas grave que nous, après, on va peut-être partir en vacances. Mais voilà, mais ils font ce qu'ils veulent, de toute façon on s'en fiche nous. Mais ils vont emmener les Monster High avec eux. Voilà. Donc je vais vous présenter leur matériel, tout le truc qu'ils ont pris, tout ça. C'est parti, suivez-moi. Donc ils ont pris deux valises. Une valise de Skeleta Calaveras et une valise de Jenna Firelong. Donc voici les valises. Donc dans la valise de Jennifer Calaveras, il y a, donc ça va sur le lit de Violette. Donc voilà tout ce qu'il y a. Alors, déjà nous avons un bateau. Attendez, je vais faire un truc. Un bateau. Je sais pas si on... je sais pas si on voit en fait. Alors. En fait, sérieusement, je sais pas du tout. Voilà. Donc déjà, il y a un bateau. Comme ça. Attendez. Qui est en bateau que j'ai démonté. Une épuisette. Un vêtement. Une robe quoi, une brosse, un sèche-cheveux, ça c'est une palette de maquillage. Une jupe à Angelina, un collier, un parfum et du shampoing. Voilà dans cette valise ce qu'il y avait. Et maintenant, on passe à la deuxième valise. Donc déjà, c'est cette valise. Voilà, voilà. Belle et merveilleuse valise. Déjà que j'arrive à l'ouvrir. Voilà tout ce qu'il y a. Donc déjà, il y a un ballon de foot. Ça, c'est un petit truc pour jouer avec le sable. Sablier, non, sablé. Je sais plus comment ça s'appelle. Du parfum. Un râteau et une pelle. Un seau. Un arrosoir. La poupée de Léa et de Manon. L'escargot et l'hérisson de Léa. Et un autre petit bateau. Donc voilà, on met tout dedans.
deux valises. Donc maintenant il y a le bateau là, puisque j'arrive plus à le remettre dans la valise, dans cette valise. Donc c'est pas grave. Hein. On va l'amener, mais on va pas le mettre. Maintenant, bah, je vais vous présenter tous les pet shops qu'il y a. C'est parti. Donc, oula, en premier, Eléa. Salut. Amélie. Qui a ce lit. Bon, elle dort en haut, vu que peut-être si je vais acheter un pet shop en vacances, et bah le pet shop va dormir là. Donc là, les oreillers, on dirait qu'ils sont jaunes, mais ils sont blancs. Parce qu'avec le flash, ils deviennent de cette couleur. Puis après, nous avons Léa. Donc je sais pas, je vais leur mettre devant les oreillers. Léa. Avec son lit. Hein. Enfin, non, c'est pas Léa, c'est Manon. La petite, enfin, la moyenne petite. Enfin, il y a deux petites, voilà, elles dorment comme ça. Après, nous avons Savannah et Rox, qui sont sur un lit comme ça, hein, et ils dorment pas tous les deux comme ça, puisqu'ils sont en couple, et ils dorment ensemble. Puis après, nous avons Violette. Voilà, Violette, elle est très belle. Hein. Faut vous dire qu'elle soit moche. Très mignonne. Ah, j'ai mal, moi, d'être par terre. Attends, attendez. Oui, c'est bien Violette. Donc, voici son lit. Bien sûr, je vais mettre ça dessus. Et quand on sera en vacances, et là, je vais mettre le bateau. Enfin, en attendant, je vais le mettre là-dedans. Avec le bateau. Regardez. Oui, le bateau, aussi, j'ai oublié de le démonter. Sinon, il rentre pas. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça fasse ça. Pour son lit. Après, il y a Angelina. Voilà, elle est trop belle. Angelina, celle qui avec la jupe et son lit. Voilà, voilà. Après, la bonne fleur. Bon, dans son hamac. Voilà. Nous avons Tom dans un lit en paille. Il adore dormir dans les lits en paille. Et ça devait être les garçons qui. Ils devaient dormir dans le lit en paille, les Rox. Et qui avec ça un œil, mais il n'a pas pu dormir là-dedans. Il a eu de la chance. Puis nous avons Chana. Chana le cheval. Qui est dans ce lit. Amélie. Enfin Aurélie, pardon. Rosie dans un Mac. Léa. Un petit hamac. Et. Ma petite Alexandra. Voilà pour les pet shops. Après, pour la salle de bain, j'ai pris ça. Et voilà, moi bon, j'étais obligée de me poser parce que j'avais ma soeur me parle. Il lit. Oh là, il y a un truc qu'on se taraille. Et voilà, après la baignoire, j'ai. Au début, je voulais prendre celle-là, mais elle est trop grande, donc du coup, on prend celle-là. Voilà, on prend un bateau, des planches de surf et un toboggan pour les pêcheurs.
Je vous préviens, les monstres d'Ara, il n'y a pas beaucoup de requins. Il y a juste Claudia Wolf. Oney Champ. Toi, il est là.